Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulette du cœur saignant Over Vita pour aller sur un Sacrilleur Terre PVP. Bon, idéalement, il faudrait avoir un 505 de Vita, hein, si ça se passe dans le meilleur des mondes, on va dire. Je me pose la question, est-ce que j'ajuste toutes mes tentas pour essayer d'avoir un max de Vita, ou est-ce que je pars dans l'idée que si j'ai pas assez d'Over Vita, je tente un crit dommage sort ou dommage mêlée pour avoir un Over Vita plus pourcent de dommage. Je vais voir un peu comment ça se passe, mais voilà, il y a encore une petite marge de décision à prendre. On a 92 de puits ici, dommage. Hein, le PA qui tombe sur une rune crit qui ne passe pas, c'est un peu terrible. On va commencer tout de suite par la force, une fois, deux fois, moins 10. Ok, on a un crit qui récupère un peu, c'est pas mal. Le G est très haut sur le reste, c'est pas dégueu du tout. On va mettre la petite réfixe. Tac, allez, le crit, faut le passer maintenant. Moins 10, c'est correct. Repère, moins 6. Les dommages, moins 10. On a 56 de puits sur un jet qui est déjà pas trop mal. Alors oui, évidemment, le retrait PM négligé. Hein, pour un Sacrilleur, la prospection, pareil, c'est pour du PVP. Donc on va partir sur... C'est là, par exemple, qu'il faut que je vois ce que je fais. Je pourrais soit mettre des pavis pour ensuite baisser l'over et essayer de m'approcher au max de 405 pour aller chercher les 505. Soit tenter du cri de sagesse, là, par exemple, avec les 6 que j'ai en rab. Sachant que la pavie a peu de chances de passer, mais la sagesse a aussi peu de chances de passer, donc ça se discute. Bon allez, on va viser la sagesse. J'espère que j'ai pas fait d'âme sur le puits, normalement c'est bon. Là j'ai compté moins 2 et là j'ai compté plus 4, ouais c'est ok. Allez, on va mettre 2 sagesse et 5 ravis. Voilà. Un 497 aurait été magnifique. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. Bon, les congruences sont pas ouf, mais le G est plutôt haut. On va go vite. Force, allez, le crit direct, on annonce la couleur. Bah, si j'avais su. J'aurais peut-être dû finir par la force, parce que là, si je passe une PAVI, bon, c'est vraiment du théorique, hein, mais si j'avais passé une PAVI, là, j'aurais préféré avoir géré tout le reste de l'item pour partir en over direct. Allez, moins 12, ça peut être une grosse tenta là potentiellement. Le tacle qui crit, bah écoutez, elle est vraiment stylée. Allez, il nous faudrait une Rasa qui crit. Ah! Alors ça, c'était pas le plan, je vous avouerai. 25. Aïe aïe aïe. On va y aller comme ça. Je peux tenter un crit d'une petite rune pour gagner une pavie peut-être. Non. Bon, on a deux ravis. Ok, on en a une. Est-ce qu'on a la deuxième? Non. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas de PA. 96 depuis. On va go. Sur la passage, je pense, pour commencer. Oh, bah oui, c'est pas mal ça. Moins 45. Bon, j'avais un peu trop de puits, donc à la limite, ça m'arrange. Hop, moins 10. Moins 10. Alors, on va pas aller loin malheureusement. Moins 15. Ben, il reste 16. Hein. Et avec 16, on fait pas grand-chose. Oh, ah bah si on crit des pavis, c'est déjà ça. La ravie qui passe. Oh, en vrai, si on a le PA, on peut tenter un dommage mêlé. Enfin, crit. Ça pourra faire un item intéressant. On n'a pas le PA. 92,4 de puits. On va commencer par la force. Aïe aïe aïe, pas simple là. Hein. Pas simple du tout. On met un petit dos. On va essayer de récupérer l'over avec une rune chat. On récupère pas. Allez, il faut monter la sagesse. Ok, le crit met bien. Là, la passa à 50, elle peut taper beaucoup de puits. J'espère que ça va bien se passer. On va déjà mettre le crit. Qui crit? Ok, nice. Et la passa une fois, deux fois. Ça va, moins 27. En vrai, je m'en sors pas trop mal. J'avais beaucoup de lignes à gérer. Il nous reste 35-4. Je peux tenter un crit. Non. Donc on va faire une rune vie, une pavie, trois ravis. Ah bah c'est pas ouf, hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98 de puits. Allez, la force. Ah, je souffre! Alors là, ça fait mal. Dommage, ça aurait pu être sympa. Pareil, les congruences, c'était pas trop mal, mais...
Oh là là, là c'est terrible. Hein. C'est juste terrible. Ok, la sagesse qui passe direct, mais... Encore une fois, quand ça se passe mal comme ça, on peut toujours espérer un tout petit over. Et avoir de quoi tenter une dommage mêlée en plus. Mais là, on n'aura même pas cette chance. Il me reste 5. Et on n'a pas le PA. C'est super. 97 depuis. Hop. Ça part plutôt bien. Nice. Moins 8. On va mettre la petite repère. Les dommages. Moins 5. Oh, elle est vraiment belle cette tenta. On a 78 depuis. Je peux tenter un crit chat pour essayer de gagner une pavie. Ok, là c'est chaud. Il faut mettre une vie. Deux pavies. Oh! Et on a 7 ravis, les amis. Là, ça peut donner du fat, là. Allez, hop, on clique. C'est pas ouf. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas de PA. 90 depuis. Alors. C'est pas exactement le plan. L'item est un peu capricieux, décidément. On a 26 là. Alors évidemment, dès qu'on a un jet éclaté, le PA repasse. Hein. Alors ça, c'est la grande classique. Là, ce qui serait ouf, c'est qu'on arrive à casser le PA sur une ravie ici. Genre ça, par contre, ça pourrait faire une énorme dinguerie. Mais on n'aura pas cette chance, a priori. À moins que... Allez, le PA. Là, juste, je bourrine les grosses runes en espérant que ça tombe, mais non. Non, non, non. Bon, bah, next. Ok, là, c'est la plus belle tenta que j'ai. En termes de congruence, je peux avoir un full perf 505 vitalité. Donc là, c'est absolument godlike. J'ai a priori 99 depuis, avec beaucoup de bricoles. Donc il y a peut-être un fail de comptage depuis. L'avenir le dira. Allez, c'est parti. Il faut passer la rafo. Ok, qui me troll un peu moins qu'à la précédente, ça régale. On peut pas récupérer au tacle, c'est un peu dommage. Je vais récupérer sur une fuite. En espérant. Ah oui, c'est vrai que c'était un malus. Je me disais, c'est quoi ce truc? Oui. Ok, donc en fait, j'ai récupéré tout le puits. Ok, j'ai un over de fuite. J'avais masqué la ligne, j'avais oublié. Mais effectivement, il y a un malus fuite. Donc tout est normal. On va mettre maintenant le crit. Qui passe pas, malheureusement. On a donc moins 6. Allez, ça passe. C'est ok. Moins 10. La passa, dernière grosse rune à passer. Qui passe direct. L'attentat est énorme, les amis. Peut-être le 505 Vita perf. C'est peut-être maintenant qu'on sort l'item parfait. Oh là là, c'est fat. 53. Alors là, je vais pas mettre de pavie parce que je la mettrai à la fin si il me reste. Mais je vais mettre 5 ravis et il m'en faut 3 qui passent. Les amis, si on peut avoir ça, imaginez quoi. Alors dans ma tête, c'était un peu plus stylé que ça, je vous avouerai. Ah oui, forcément, bah, il me manque 100 de vita en fait. Je me suis fait arnaquer. Il manque de ravis. C'est pas ça que je veux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah on crit une grosse ravie, je pense. Hein. Je suis abattu. Il m'a manqué de ravis. Bon, bah on continue. 98 depuis. Nice. Est-ce que je peux avis? Je vais plutôt mettre une sagesse en vrai. Ou alors... Le truc c'est que si je mets une sagesse et que ça passe, ça peut me faire un perf sagesse. Mais c'est très peu probable et ça fait plutôt du gâchis depuis. Pareil pour la prospection que je récupérerai pas. Donc je vais plutôt mettre une... Un truc genre une pacha ou je sais pas quoi. Pas inné, allez. Ou alors pas vie, quoi, mais... Allez, pas vie, en fait. Bon, bref, non, mais faut optimiser, vous voyez, mais... voilà, 98, toujours, du coup. Toujours 98, oh là là, et ça peut faire un truc très très beau, là. Hein. Oh oui. Le tacle. Moins 8, on a 81. Alors là, c'est très très fat. Alors là, pareil, le plan, ça peut être de faire une ravie.
En vrai de vrai? C'est ma vie, ça. Parce que je voulais faire un moins 6 et aller chercher le 505 en fait. Mais là du coup c'est moins fun. Alors là par contre c'est mieux. Là c'est un peu mieux, mais du coup j'aurais dû faire quand même mon moins 6 pour pouvoir tenter la dernière. Donc là il me reste 11. Il y a un monde où ça le fait, hein. Oh terrible. Allez, allez, allez. Pas d'œuf. 96 depuis. Bon, j'étais en train de remonter le G, ça vaut ce que ça vaut. On va quand même essayer d'y aller si la force troll pas trop. Il pourra peut-être se passer un truc. Donc c'est déjà mort, hein. Super, on adore. En vrai, non, on peut encore viser le crit comme tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre une pavie, littéralement. Hop. En vrai, non, si, ça peut encore faire un truc, mais. Là, on a 15, 20, 25, 31, ouais. Entre nous. Là, si je casse le PA maintenant. Bah next, hein. 90 depuis. On part d'un G pas terrible. On va commencer par évidemment la force. Moins 20. Je vais y aller comme ça, tacle et pavie. Ok. Je vais garder la vita pour la fin pour voir si je mets une. En vrai, non, je vais mettre une pavie tout de suite. Voilà. Comme ça, on peut viser le 502 dans le meilleur des mondes. Hop. Ah, ça va être compliqué quand même. Hein. Le crit. Il reste pas beaucoup, beaucoup. Après, 34, il y a un monde où. Je vais go d'abord 3. Il y a un monde où je mets 3 ravis, je suis à 502. Hein. Du coup, est-ce que je mets pas d'abord une sagesse? Si, je vais complètement mettre une sagesse. Et là, go 502, let's go. Une, deux. Oh, je me suis fait bait. J'y ai cru. Et pas de PA. 99 depuis, on va forcer la PAFO à 70. Allez, c'est correct, moins 9. Le G est pas mal du tout en vrai. On va mettre la RAFO maintenant. Ok, le crit qui récupère un peu. Oui, moins 5. Eh, on est pas mal du tout. Hein. On a 75 là-dessus. Je peux tenter un crit chat. Ou alors. Si je mets ravi, ça monte à 35. Alors je vais tenter le cri de chat. Non, dommage. Bon, du coup, j'ai 74. On va mettre une comme ça, et 7 ravis. C'est parti. Oh, bah, c'est un bon jeu, ça. C'est bien. Et on n'a pas le PA. Bon, quel kiff. 95 depuis. Allez, la RAFO. Il va falloir qu'on bricole un peu la Vita, on gérera ça en avant-dernier, je vous expliquerai. Le petit tacle qui crit évidemment. Allez, la passa, c'est maintenant qu'il faut que ça passe. Moins 18, c'est correct. Le dos neutre. Le tacle qui crit. Allez, la ravie, là, ce serait bien. Moins 20. Et c'est là que je vais mettre un dos cri. Voilà, pour baisser un petit peu. Et là, je vais venir tenter des petites dingueries type des runes comme ça, là. Comme ça, genre. Hop. Et voilà. Et là, il reste 37. Et en fait, on va juste venir mettre 3 grosses ravis. Et il en faut 2 qui passent et on est bien. Allez, 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 plus qu'une. Aïe 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 aïe, il reste 7.
Le PA. On n'a pas le PA. 95 depuis. Allez, nice. Moins 10, on récup. Comme ça. La passa. Allez, c'est maintenant. Aïe, 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 aïe. Moins 36, ça picote. On perd beaucoup là-dessus. Il nous reste 34. Ah, c'est pas ouf, hein. Le PA. Je cherche ma rune. Alors, dos permé, c'est où? Je vais me la caler là. Alors, idéalement, il me faudrait du dommage sort pour aller sur le sacrilleur. Mais le dos permé me servira aussi sur le yop. Donc, on va mettre du dos permé. Si ça crit, on a un truc très très stylé. Allez, c'est parti. Et pas d'œuf. Et là, il y a un monde où je casse le PA avec la ravie. Et là, c'est insane. Et là, on va chercher le 505. Oh, comment j'y ai tellement cru. Non. Bon, bah, tant pis. On enchaîne. 94 depuis. Allez, hop. Les rafos sont plutôt conciliantes ce soir, on va dire. Ok. Alors, pour la Vita, j'aurai 20 d'over. Il faudra que je vire 3. Je gérerai ça à la fin. Il faut mettre la passa maintenant. Nice, ça passe. Ok, on a une très très grosse tenta, les amis. Ça se présente hyper bien. Le crit. Moins 10. Le tacle. Elle est magnifique. J'ai 6 ravis. Reste 31. En vrai, il faut que je mette une sagesse. Et là, il m'en reste 3. Allez, on peut aller chercher le 505. Allez, allez, la dernière. On y croit, on y croit, on y croit. 505. Oh la dinguerie. J'ai tellement tryhard, je suis allé la chercher, j'ai tellement mérité. Allez, c'est quoi, c'est un PA? Oh là là, alors là, le rythme cardiaque qui fait un petit pic, c'est un PA. Ça sert à rien de regarder l'item 10 ans, il faut cliquer. Oh là 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 là. C'est dommage. 94 depuis. Moins 20. Allez, le tacle. La réperfeu. Moins 6. Faut mettre la passa, c'est maintenant. On clique. Oh bah oui. C'est bien ça. Le crit qui crit. Ok, ça me récupère un peu. La répère. Ouh là là, moins 18. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les lignes sont belles, mais j'ai un petit problème depuis quoi. Évidemment, le PA. J'aurais pas pu l'avoir à l'attentat d'avant, par exemple. Non, c'était trop demandé, en fait. Terrible. Bon, bah, on continue, hein, en espérant que ça tombe assez vite avec un G élevé comme ça. Mais là, y a rien à en faire. 91 depuis. Moins 20. Hop. J'ai vu un accept 79 dans le chat. Pff, pas de ça chez moi, je vous le dis tout de suite. Allez, le crit. Moins 20. Moins 6. Bon. Ah, c'est une belle tenta, ça, c'est bien. Moins 6 à nouveau. Moins 4. Ok, on a 35. Ah bah voilà, on a gagné une pavie. Bon, évidemment, on va pas en passer, mais... Et évidemment, dès que je m'en fous, j'ai le PA. C'est la classique. Bon, on a quand même un full perf, là. Enfin, un full perf sans le retrait, évidemment, mais... Si on crit la 2 permet, c'est cool. Pas d'œuf. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue. 93. On va aller chercher les 72 de force. Monter à 82 en 9 heures, ok, ça commence plutôt fort, c'est pas mal du tout. Nice, en fait c'est une grosse tenta.
J'avais l'impression que c'était naze, mais c'est pas naze du tout. Moins 3, en termes d'over. Je vais me retrouver à 29. En vrai, j'aurais dû garder un dos. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Ravi. J'ai moins 30, on va mettre le tackle. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on vient mettre la petite rune chat ici. Ok, dommage pour le moins 6. Et là, il reste. En vrai, il reste 57. C'est pas mal. On peut tenter 5 ravis. J'aurais pu m'arranger pour essayer de crit une petite rune. Pour essayer de gagner une tenta. Ou alors claquer une rune sagesse avant. J'aurais dû anticiper, mais bon, je pouvais pas être sûr que ça allait se passer comme ça exactement. Évidemment, il reste 7 du coup. Bon bah c'est bien ça. 97 depuis, allez la force. Please. Alors ça c'est un peu triste. Bon. On va voir ce qu'on peut faire de ça. Ça risque d'être un peu compliqué maintenant. Le reste se passe bien, mais bon. 33 là. Aïe aïe aïe. Il y a dû y avoir une boulette quelque part. Je reconnais. Ah bah oui, j'ai oublié une rafo. Unlucky. Tant pis. 96 depuis. Si la rafo passe direct, ça peut faire quelque chose de stylé. Allez, moins 20, c'est correct, on s'en sort. On va venir comme ça et comme ça. Alors, que faire de la Vita? Va falloir que je vire 40. Ok, on va y aller comme ça. Tac, tac. Moins 15, on va mettre une ravie maintenant. Moins 20. On va mettre le dommage. Oh, je suis con en vrai. J'aurais pu faire autrement. Alors là, du coup, ça m'arrange pas du tout. En vrai, j'aurais pu faire plus safe, ouais, c'était pas très smart. Du coup, j'ai fait nimp, en fait. J'aurais dû mettre le Dockery avant, c'est my bad. En plus, il y a la sauvegarde, évidemment. C'était une erreur de ma part. Bon, on tombe sur le 400 propre, mais... Il reste... Quoi, il reste 4 tentats. Attendez, est-ce que j'ai bien tout compté le puits, là? Ouais, je crois. Bon, en vrai, je dois avoir normalement 41, là. Il y a un monde où je mets une vie. Ouais, j'ai fait nimp. J'ai été con, c'est un fail. J'aurais dû accepter en fait d'aller chercher 494 de vita. Mais c'était très bien. Je suis con, c'est ma faute, my bad. 95 depuis. Allez, le crit. Bon, on va y aller sur de la fuite. Hein. Hop. Allez là, pas ça. Oh bah oui, c'est bien. Bah super. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Nice. Magnifique tenta, 91 de puits. Ce serait bien que la force passe direct. Moins 20, dommage. Oh, les crits qui s'enchaînent. Oh oui. On a 65 là-dessus. Oh, elle est magnifique. Je peux tenter. Je vais tenter un crit dommage pour essayer de gagner une ravie. Ou alors je tente des pavis. Non, ça ne m'avancera pas. Je vais tenter un crit dommage. Dommage élémentaire, évidemment. Dommage haut. Ok, on a 6 ravis. On peut aller chercher le 492. Allez, un crit, please. Oh,
Ah, oh, quel dommage. On n'a pas le PA. 88,8 de puits, on vient de passer un petit crit pas d'auteur sympathique. Allez, la ravie maintenant, moins 10. J'ai presque envie de spam la pafo, mais on va éviter de trop faire nimp. Moins 20, ça passe. On récupère l'over. La petite passa peut-être, moins 8. Le crit moins 10, c'est pas mal. On peut viser le 503. On va avoir du mal. Je viens de voir le puits en fait, my bad. Ok, on a 18, bah super. Super ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter un crit très fixe, tiens. Non. Oh bah on aime Dofus quoi, on s'amuse bien, hein. C'est pas mal. 96. Alors. Je peux pavi. Ravi. Ah j'aurais dû mettre la rafo avant peut-être. Comme ça, j'aurais pu récupérer dessus. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Hop. Ouais, ça aurait été mieux de... Comme ça, j'aurais pu mettre la pavie sur l'overforce, là. Ça aurait été un peu mieux. Alors, on va mettre une pacha. Tac. Une passa qui passe. C'est pas mal. Le crit qui crit. Et on s'en sort très très bien. J'ai 39-6. Alors... Là, ça vaut clairement le coup de recompter un peu le puits. J'avais compté à partir d'ici. D'ici, là. Là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 2, donc j'ai moins 3. Et là, j'ai... Et oui, j'ai durable. Ok, vas-y, on a 4 avis, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, il y a 4 avis. J'ai jamais douté. On a le PA... Est-ce qu'on a le petit dommage mêlé? C'est ça la question maintenant. Ah. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue, tant pis. 98 depuis. Allez, la force qui troll pas, ça fait plaise. Hop. On va y aller sur... Petit réper feu. Oh les dotaires. Oh les dotaires qui me trollent tellement. Alors ça fait pas hyper plaisir ça. Y a rien de pire que d'interrompre une séquence pour aller acheter des dotaires. Bah pour l'instant, c'est tout simplement ce que je vais devoir faire. Je suis abattu, je reviens. Heureux. Alors. La vita, comment on gère le truc? Il faut que j'anticipe à chaque fois pour bien caler mes overs. Je vais avoir 28, il faudra que je vire... Un dommage, c'est parfait. On va mettre. On va garder un docrit. Là, j'ai du moins 10. Moins 12. Moins 15. Le crit. Qui crit, c'est bien. Je suis pas hyper large en puits en vrai. Et là, l'idée, c'est de faire. Alors du coup, voilà. Mais l'idée, c'était de faire ça. Mais alors non. Bon, je me fais troll. Bon, l'idée, c'est d'avoir moins 25 et de mettre 2 ravis derrière. Et comme ça, on est à 503, quoi. Mais ça, c'était dans le monde où j'avais encore du puits. Et où je me faisais pas trop troller. Pas de PA. 95 de puits. J'ai presque envie de spam pas faux, mais bon. On va pas trop troller quand même. Hop. Je regarde pour la vita comment je vais faire. Il me faudra juste une rune pod en vrai. Ce sera parfait.
On peut retenter d'avoir le même gros jet que j'ai eu tout à l'heure, c'est-à-dire un 505 moins 1 sagesse. On a tout pile 50. Allez, le pod, c'est maintenant. Il m'en reste 4, les amis. Ça peut être très très beau. Allez, allez. Oh. Le PA. On n'a pas le PA. 96 depuis, l'attentat est plutôt belle. La sagesse, ça va être le plus dur à remonter. Moins 9. Allez, il y a des grosses runes à passer là. Ok, on a un peu de crit, c'est pas trop mal. La sagesse, please. Oui! Moins 9. Écoutez, ça se présente pas mal du tout. Moins 5. J'ai 53 de... Oh là là, je peux avoir une pavie. Je peux avoir théoriquement le full perf 505 là. Allez, la pavie. Ok, dommage. Bon, on peut jouer pour du 490, ça reste stylé quand même. Ouh, ça me plaît ça. Alors écoutez, là il reste littéralement 22 puits en fait. C'est pas mal. Alors 22 puits, qu'est-ce que c'est? C'est techniquement, c'est 6 pavis ça, non? Entre nous. Est-ce que je peux avoir un petit crit de pavis, s'il vous plaît? Terrible. Et il doit rester 2 runes de vie. Bon, eh, je réessayais, hein, vraiment. Pas de gâchis ici. Le PA là-dessus, bon, ça reste un très très beau jet, une très très belle tenta. On n'a pas le PA. 98 depuis. Allez, 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 allez. Bon. Dommage, on aurait pu jouer le 497 de Vita. Mais je crois qu'on n'aura pas cette chance aujourd'hui. Enfin, il y a encore un monde où ça passe, hein, mais... Va falloir beaucoup de crit, quoi. 19. Ouais, c'est un peu sad. Hein. Oh bah oui. Pas de PA. 93-3 depuis. Bon, la Vita, elle est un peu pénible, là. Ça va monter à 322, j'aurai 17 à virer. Je pourrais terminer avec du tacle. On va faire comme ça. On va commencer par la Rafo. Ce serait bien qu'elle arrête de me troll un peu celle-là. Moins 30. Allez, la Passa, c'est maintenant. Moins 9, bon, ça va. J'aimerais bien avoir un peu plus de crit sur les grosses runes quand même. Moins 10, bon, c'est pas hyper large. Il faudrait que je passe une ravie là. Et là, avec le tacle. Voilà, bon, l'idée c'est que là, ça, le tag devait passer et après je devais monter à 501. Ça, c'était dans ma tête, vous voyez? Et oui! Et du coup, là, bah, c'est pas ouf, hein. Allez, la dernière. J'en ai mis combien? Une, deux, trois, quatre. Bon, le PA, pas de PA. Bah, ça se passe bien, c'est cool. Très belle tenta à 98,4 de puits. Ça peut vraiment donner du perf 501 de Vita, ça me plaît beaucoup. Il faudra juste que la force troll pas, et effectivement, elle ne troll pas, j'ai pas l'habitude, je vous avouerai. On va mettre la petite rune réfixe. Allez, le crit, c'est maintenant. Oui! Oh là là, l'attentat est énorme. L'attentat est énorme, les amis. Elle est colossale. Alors non. Non? Non, c'est pas maintenant, en fait. Mais... Bah, je viens de perdre 4 à vie, quoi. Voilà. Là, j'allais écrire une ravie, là, juste maintenant. Mais je me le suis fait voler par le donut. Vous êtes témoin, hein? Je me suis fait racketter, là. Hein? Je me suis fait racketter ma tenta. Hein? Évidemment, le PA repasse. Bah, forcément. C'était sûr, c'était celle-là où je devais finir le FM, en fait. Je l'avais vu. Pas de crit. Est-ce qu'on a la ravie? Non. Terrible, je suis abattu. Je me suis fait voler. 89,8 depuis, un truc dans le genre. Il y a peut-être encore un tout petit peu de résidu d'avant, mais je suis déjà remonté assez haut pour recompter. Allez, tac. Ok, ça commence plutôt bien. Le tac qui passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la Vita? Il m'aurait fallu 355, évidemment. Bon, on va gérer ça à la fin.
Bon, c'est pas mal, on a 85 a priori. On va mettre une petite rune, hein, je pense. Hein. Faudrait le moins 5, évidemment. 55 restants, je peux tenter un crit de mage maintenant pour gagner potentiellement une Tantara. Un de haut au pif. Eh mais c'est un crit ça! Eh bah il fallait bien que des fois ça se passe bien. Ok, donc j'ai 6 ravis normalement. Avec leurs affichages bizarres de échec là, j'ai mis 2 secondes à réagir, faut qu'ils corrigent ça. Normalement là ça doit être marqué un dommage haut. Le échec là il est vraiment très très laid. Et donc ça valait vraiment le coup d'aller chercher ces 6 tantas ravis. Hein. Comme vous le voyez, c'est vraiment magnifique, on est très content. Évidemment, comme à chaque fois qu'on a un G éclataxe, on a le PA, bah super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah on continue en fait, hein. Que dire? 95 depuis. Allez, allez, moins 30, bon c'est pas ouf. On va mettre un tacle. Ok, le crit. Assez inattendu celui-ci. On va y aller de haut, hein. Tac. Ok, on récupère. J'ai moins 4. En vrai, ça se présente très bien. 52. Un 490, ça me va tout à fait. Oh bah c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, on ne saura jamais. Next. 95 depuis. C'est pas très drôle ça. À voir si on peut faire quelque chose de l'attentat avec du crit dommage mêlé. Reste 31. Bah, c'est limite cher en fait. J'aurais dû baisser l'over, j'étais blasé là, j'étais dans ma défaite. Pas de PA. 97 depuis. Bon, la force est souvent à 75 quand ça tombe, donc c'est pas trop mal. Il faudrait pas que ce soit plus parce qu'après les overs sont vraiment pénibles à passer et encore que des fois ça me tape déjà beaucoup. Allez, le crit qui passe également, c'est pas trop mal. Si les dommages sont pas trop capricieux. Et ben voilà, il suffisait de demander. Moins 5, on n'oublie pas le petit repère, moins 6. Oh, elle est belle, elle est très très belle. 66. Nice. Allez, on va baisser ça tout de suite. Je vais mettre une petite rune chat. Allez, on peut viser le 502. Il me reste 56,2. Ah, dommage. On a le PA. Est-ce qu'on a un crit dommage mêlé, les amis? Pas de crit dommage mêlé. Est-ce qu'on arrive à casser le PA et repartir sur une énorme tenta avec une ravie? Oh, j'y ai cru, j'ai vu la petite ligne rouge là, mal visée. Bah écoutez, non. Bon, tant pis, on continue. 96 depuis. Nice. Allez, ça peut faire un truc bien là. On récupère, parfait. Moins 18. La sagesse, moins 18 également. On va mettre le tacle. Un dommage. Et là, on va jouer un peu là. Bon, j'ai 45. Il faut que j'ai un succès neutre sur le dos neutre. On va go ravi. Et là, il me faut un mot 25. Bon, j'ai 25 depuis. Bah, on va mettre un autre dommage, hein. C'était pas le plan, ça. Voilà, ça devait faire ça. Les crits, c'est jamais quand on en a besoin. Hein. J'ai deux ravis.
Allez, j'ai une ravie, là je peux avoir une tenta à 504. Ça passe pas. Il me reste 5, j'ai pas grand chose à en faire, je peux faire 2 tentes à vie. Ce que je fais avec le puits, c'est optimal hein, de le faire dans cet ordre. C'était la meilleure chose à en faire. Le PA, évidemment, qui ne passe pas. 98 de puits, les congruences sont plutôt chouettes. C'est parti. Nice. Moins 28, on a passé le pire. Tac, tac. 60, ok, elle est belle. Elle est très belle, les amis. On peut mettre. En vrai, je peux mettre une pod. Et on la récup en plus, incroyable. Il me reste 4 tentas. Et j'aurai du rab avec la pod en plus. Là, j'ai plus 0,1. Oh, nice! Et là, j'ai moins 7,5. Il me reste encore 3. Allez, allez, on peut avoir le full perf 504. Dommage. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 de puits, ça saute sur un 50 sagesse, c'est très très beau. Il faudrait juste que la RAFO passe bien et on a un truc très stylé. Nice! Ok, ça fait une belle tenta ça. Ok. Oh, elle est belle. J'ai misé 71 là-dessus. Oh, j'ai fait le con, j'aurais dû garder un dos pour enlever le. Pour enlever l'over. Petit misplay. Je me disais bien qu'elle était trop belle. J'ai fait le con. Bon, après, ça m'aurait peut-être fait comme tout à l'heure, mais. Il me reste 51. Allez, on en a 5. Ça n'aurait pas changé grand-chose au final. Ça m'aurait pas fait une ravie de plus, donc ça change quasiment rien. Allez, tac, tac, allez, allez. On a 3 tentats pour aller à 504. Ah, dommage. Et du coup, il reste 1. Pas de PA. 95 depuis. Alors, la Vita, elle est assez basse pour le coup. Je peux tenter le moins 26 au dommage. C'est un peu ballsy, mais ça peut faire un 505. Ou alors, je go pas. On va la jouer sécure, de toute façon elle est pas très belle donc. Plutôt mettre une pavie. Tac. Ok, ça passe pas trop mal. Ouais. Les petits crits qui régalent. Reste 44. Pas d'œuf. Tenta très intéressante. Il faut passer la pafo. Moins 6, c'est pas mal. La rafo. Ok, ça troll pas trop. On peut monter à 435 en over et récupérer moins 30 sur la refeu. Et ça peut donner un truc très sympa. On peut taper les 505 là-dessus. Allez, on y croit. Le crit qui passe pas, moins 9, moins 9. Ok, c'est pas mal. Le crit qui récupère. On va donc garder le repair. Tac, tac, moins 5, let's go. On est à 64. Ok, ça peut être vraiment très très beau. J'ai moins 20. Et là, il me faut un moins 30. Bon, moins 31. On prend aussi. Il reste 44. Allez, 3 tentats les amis. Yes! Oh là là! Et vous voyez le Theory Craft dans la tête là. Hein. Je calcule. Hein. Je mets pas les runes au hasard. Hein, pour ceux qui croiraient encore que la FM c'est du hasard, faut juste de la chance. Je peux vous dire que je l'ai anticipé le 504 là. Je suis allé le chercher. Allez! Allez, allez, ça fait juste 3 jours que je suis sur l'item. J'en ai d'autres à faire, donc si ça pouvait passer, ce serait quand même pas mal. Le PA, les amis. Et on continue. 99,4 de puits.
Bon, c'est un peu dommage, ça tombe sur une pataque qui prend déjà beaucoup de pluie, en échec critique. Allez, pas faux, moins 9. Pataque, il me faudrait un crit, voilà. Hop. On retombe un peu sur nos pattes. Après, 65-4, c'est pas trop mal. Je suis bête, j'aurais dû mettre un dommage avant. Complètement con. Bon, bah 5, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, non, depuis tout à l'heure dans le chat, là, ça m'explique par A plus B qu'il faut mettre le payant en premier parce que la dernière ravie passe forcément en crit. J'ai même pas pris la peine de répondre, mais voilà, on a l'illustration que ça peut passer en succès neutre. Donc le PA, allez, c'est maintenant qu'il faut le remettre. J'y crois même plus, là, c'est bon, je suis au stade où je suis blasé. Et voilà, pas de chance, on continue. Bon, je dois avoir 95 depuis, je compte à la louche hein, maintenant, de toute façon, comme les PA ne repassent pas, ça sert à rien de trop se casser la tête. La RAFO, moins 10. Hop. La petite Runcha, qu'on récupère pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la Vita? On va mettre une pod. On va y aller comme ça. Bon, on a une grosse Tenta quand même là, 70. Évidemment le crit pod, non mais forcément, ça c'est le truc qui arrive jamais, mais... Et le pote il me tape dans le puits, c'est ma vie donc. Mais... J'ai pas mis d'over, je suis un chien. C'est... Désolé, ça m'a détruit les tentats d'avant de mort, là. Bah j'ai Grifox, c'est bien ça. Oui, c'est mieux dans l'ordre là, forcément. Allez, une, deux, trois, quatre, et voilà, évidemment. Pas de PA. Allez, next. 91 de puits. Allez, on se reconcentre un peu parce que là, ça part dans tous les sens. Le 2 neutre qui crit, évidemment. Allez, tac, tac, tac. Ok, j'ai voulu les passer vite pour que ça crit mieux, mais ça n'a pas marché. On a une, deux, trois, moins 30, et moins 27. Allez, vendu. Pour la Vita. Il va falloir virer 28. En vrai, je peux mettre pod et... Bon, les pods, ça m'a fait des dingueries récemment, mais sur le papier... Je peux faire 15 et 13. On peut avoir un full perf 505 là. Vas-y, on va jouer au jeu un peu, ce sera bien. Tac. Je vais faire comme si j'avais encore plein de puits. Et je vais vivre ma meilleure vie dans le déni. Allez, évidemment. Le meilleur call, c'est de casser le PA comme ça. Ou alors de crit une. Enfin, de passer une ravie à plus 16. Non, mais ça marche aussi, hein, c'est évidemment. On fait de la magie noire ici, y a aucun souci. On peut pas casser le PA là, peut-être? Non. Bon, bah, on continue. Bon, bah ça s'est passé finalement, vous voyez, juste après le PA là, quelques runes, ça saute sur quelque chose d'assez incroyable. J'ai 97 depuis, là ça peut vraiment faire de la dinguerie. Il va falloir qu'on mette. Bon, je pourrais tryhard avec de l'ini à essayer d'avoir moins 11 et moins 13 à la pod pour tomber sur 505, mais ça me ferait faire du double exo, ça peut foutre la sauce. Donc on va juste partir sur un dommage pour enlever 25 d'over. Donc moins 6. Moins 5. Oh, ça peut être énorme. Moins 10. Et là, il me faut un moins 25. Parfait. Et là, du coup, il me faut... En vrai, je peux encore tenter le moins 11 ici, hein. En fait. Il me faut un moins 6 et un moins 5. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Il me faut un moins 10. Non, non, je suis con. Désolé, hein, c'est quand je perds trop de kama d'un coup, mes neurones se déconnectent. Tout va bien, tout va bien, tout est sous contrôle, il y a zéro fail, regardez, c'est magnifique, moins 11. Bon, du coup, c'est pas ce qu'il fallait, mais tranquille. Il nous reste 76. C'est pas mal, hein. Donc là, j'ai moins 8.
Reste 68. On va y aller comme ça. Reste 8. On peut tenter le crit. Ah ben non, on peut pas. Oui. Bon, non mais j'arrive plus. J'ai perdu trop de kama. Je sais plus FM. C'est terminé, mon cerveau est en train d'être détruit. Je suis à plus de 40 puits là. C'est... Allez, go, next. 97 de puits. Ok, ça passe direct. Ok, on récupère. Alors, il va me falloir pareil, un moins 25 là-dessus. On va y aller comme ça. Moins 3. Ouais, c'est une grosse tantale. Et voilà, ça c'est le cas de figure terrible par contre. Tant pis. On y retourne. Ah bah c'est bien. Pas de PA. 96 depuis, il faut la pas faux. Nice. Moins 3. La rafo qui passe également. Ok, ça part très très bien. On a les 50 sagesse. Ça peut être une très très belle tenta. On va mettre le crit qui passe. Repair, moins 6. On va garder le tac là, on va faire comme tout à l'heure. Hop, hop, hop. 20, 25. Allez, la ravie, moins 10. Le tacle. Ah, oh, pourquoi ça me fait ça à chaque fois? C'est pas vrai ça. Ça crit à chaque fois qu'on faut pas. Et en plus, j'ai pas de rune qu'il faut. Ah, j'ai pas mes runes fuite. Ok, ce qu'on va faire. Ok, je vais chercher mes runes fuite et je reviens. Bon, j'ai fait nimbre en fait, j'avais de la fuite. Hop, allez, il me faudrait du moins 10 et pas du moins 11. Nice. Il reste 32. 3 ravis. Ça peut le faire. Ok, est-ce qu'on a le PA? Il reste 2 en fait. Ok. On n'a pas de PA. 96,8 de puits. Non. 93,6 raté. La rafo. La repair. Évidemment, on commence à connaître l'histoire. Et une fois de plus. Ok. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Pour l'instant, ça commence hyper bien. Bah écoutez, c'est parfait là. On va y aller comme ça. Oh là là, l'attentat de malade. Mais. 80 de puits! Mais on va faire un 600 vita là, c'est pas possible! Oh là là, j'ai failli oublier un de cri. Moins 5. Ok. On a 75. Alors là, je vais mettre une rat. Et ensuite, je vais essayer de récupérer 2. Donc en fait, il faudrait que je réussisse à crit. Il faudrait que je crit une pacha. Comme ça, si je crit une pacha, j'ai 78 et en récupérant 2, je peux tenter un crit pacha, ce serait opti. Il y a eu quelques tentats où j'avais pas bien anticipé avant. Ok, ça passe pas, moins 3. Et du coup, après, je me retrouvais avec un non multiple de 10 en puits et du coup, il y avait du gâchis, donc on va essayer de faire les choses un peu mieux maintenant. Donc là, j'ai moins 10, moins 30. Ok, donc là, on met une réfixe qu'on récupère. Et là voilà, si j'avais eu le crit Pacha, j'aurais pu avoir une tenta de plus. Mais du coup, j'en ai 4. 1, 2, 3 et 4. Ah bah c'est pas ouf, hein. Normalement, il reste 2. Le PA, bah parfait. 96 depuis. La force, c'est parti. Moins 10. Ouais. On va mettre... Un petit crit par là, une petite passa, moins 17. Bon, là j'ai. Je vais avoir 18 à dégager. On verra ça quand. Ouais, je ferai ça en dernier, c'est ok. Il n'y a aucune Kerak qui m'intéresse en termes de récupération d'over. Tac, tac. Moins 20, moins 25.
Bon, on perd quand même pas mal de puits malheureusement. Il reste 18. Alors, on va pas très loin avec 18. On a le PA. Est-ce qu'on a le crit dommage mêlé? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct après? En vrai. Il y a un monde où je casse le PA là, non? Non. Bon. Tant pis, on continue. 93,6 de puits. Allez, la rafo. Nice, ça va, c'est correct. Le G est plutôt fat, hein. Je vais avoir 37 à... Non, 32 à virer. Je pourrais garder le 2 neutre en vrai, mais... Non, on va le mettre. Parce que si ça fait nimp, ça va être la sauce. Ok, donc j'ai 68, 6. Alors attendez. Faut que j'enlève 32. En vrai, non, j'aurais pu garder le 2 neutre. Tant pis. Moins 10. 32, ça peut être une ini et deux pods. Une ini à moins 6. Moins 5, dommage. Là, il faut que j'enlève 27. 21. C'est parfait. Je peux mettre une sagesse. Ou alors, je spam ini. Ou alors, mieux, une paini. Que je n'ai pas, évidemment. Parce que je suis un bouffon. Donc, je vais chercher ma paini. Et je reviens. Me revoilà. Donc, on a la paini. Si ça me fait un moins 15, ça peut être très stylé. Parfait. Et du coup là, il me reste 58 et avec le lini que j'ai en rab, eh ben en fait, j'ai 6 tentas. Et ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai moins 5. Il me reste 53. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, allez. Dommage. Il me reste une pavie du coup, normalement. Yes. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 93 depuis, l'attentat est pas trop mal. Si la rafo passe bien, moins 20, ça va. Ce soir, les rafos sont plutôt conciliantes. On récupère pas malheureusement le critique et la sagesse. Ouh, la sagesse. Ouh, la sagesse. Alors là, par contre, ça va faire mal. Bon, on a un peu de réussite après, mais... Eh oui, 13. On fait quoi avec 13? On fait rien. Évidemment, on a le PA. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? En vrai, le mieux, c'est peut-être de tenter le dommage mêlé pour casser le PA et essayer d'avoir un 3% de dommage mêlé. Ça m'a paru être le meilleur call. Voilà, bah écoutez, on continue, hein, tant pis. 92 de puits, elle est magnifique. Vraiment, le passage à la valeur max de la sagesse qui casse le PA, c'est toujours un truc, hein. Ça fait quelque chose, hein. Allez, la rafo qui va évidemment pas troller du tout. Voilà, comme je le disais. Donc ça, c'est parfait. Alors ensuite, on va mettre une petite pacha là-dessus. Ok, on récup. On a un crit. Allez, le crit, ça passe. C'est correct, moins 7. Les raises, moins 12. Moins 20, et on n'a même pas de quoi passer le tacle. Ah bah si, on avait de quoi passer le tacle, mais... Plus de puits, et pas de PA. 99 de puits. On va avoir 14 de Vita à enlever. Ouais, bon bah écoutez, pas ça. Moins 9, c'est pas trop mal, l'attentat peut être assez fat. J'ai moins 4, on va mettre la repair moins 6, les dommages moins 20, le tacle qui crit, la ravie moins 10, on va venir en vrai, je vais mettre une sagesse. Ok, et il reste tout pile 50. Dommage. Pas de PA. Bon, j'ai le PA qui a sauté direct, mais comme c'était pas un succès crit, c'est un peu naze. Mais ça peut peut-être faire un truc en vrai.
Donc on va test, on va déjà monter. Si j'ai du crit, ça peut crit, hein. Ouais, non, on n'a pas eu beaucoup de crit malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, il reste 18, ouais. C'est pas ouf. On va tenter un crit ici. Ça aurait pu faire une tentacle sortie un peu de nulle part, mais. Faudrait un crit. Non, on n'a pas. Et on n'a rien. Et pas de PA. 95 depuis. On aura 30 à enlever. Qu'on fera avec la repair. Moins 4. Non! Dommage, ça aurait pu faire un truc sympa, mais c'est mort. On y va quand même pour la forme. Et plus de puits, et pas de PA. 99 de puits. Allez, la rafo, nice, enfin ça troll pas trop. Moins 10. On va y aller sur de la pacha à nouveau. Qu'on récupère pas malheureusement. Moins 12. Moins 10. Oh, j'ai fait le con. Non, j'ai pas fait le con. Moins 30. On ira chercher le moins 25 sur la Vita. Le double crit. Le moins 4. On a 33. La ravie, moins 10. Hop. Et on a toute pile de quoi monter à 505 avec deux ravis. C'est tout ce qu'il faut. Et pas d'œuf. La pavie qui passe pas non plus. Le PA qui repasse. En vrai. Bah c'est pas ouf, hein. Qu'est-ce que je fais avec ça? Le truc. Alors oui. Voilà. En fait, on m'en a donné une tout à l'heure par un très généreux abonné. Du coup, je vais juste aller mettre celle-là en HDV parce que ça pourrait intéresser quelqu'un pour mettre une rune trans dessus. Et moi, je vais repartir sur celle qu'on m'a offerte tout à l'heure. Donc, encore merci à l'abonné qui m'a donné ça. C'est toujours un geste très sympa de donner comme ça des items. Sauf que sur son item, il manque du tacle. On va tenter des crit patac. Il s'est un petit overvita de 89, plutôt chouette. Mais il manque 3 de tacle. Ça peut crit. Et pas de crit. Deuxième tentative, toujours pas. Ok, bon, écoutez, on part en FM sur celle-ci du coup. Et je vais mettre l'autre en HDV, puis on continue. 90 de puits. Il va nous falloir du moins 12 de vita. On ira à la pod. Donc on est parti. La force, le crit, la passa. Et les grosses runes qui passent toutes d'un coup, c'est très très beau. Le dos neutre qui passe également moins 5. Allez, c'est maintenant la ravie. Oh là 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 là. La foule de succès neutres qui font hyper plaisir, les amis. On va y aller à la pod. Qui passe en plus. Il reste 46. Ah, si j'avais un tout petit peu de puits en rab, j'aurais pu gratter une tenta. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va déjà mettre 4 ravis, on verra ce qui se passe. Allez, 1, 2, 3 et 4. Il reste donc 6 de puits. Bon, on va pas aller très loin, malheureusement. On va mettre 2 pavis. Le PA qui ne passe pas. 95 de puits, peut-être un chouïa de rab en plus. Allez, la rafo, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ah là, c'était technique, hein. Mais il n'y a pas trop le choix, malheureusement. Ok. Bon, après, si on full crit le reste, ça me va, mais. En plus, c'est un peu triste parce que la Vita était parfaite là pour aller chercher du 502. Bah, il reste une ravie qui passe pas et pas de PA. 92 de puits. Hop. Alors on va avoir 32 et de vita à enlever. Ok. On verra comment on gère ça. Ah, je pourrais tenter le 26 et le moins 6, mais bon. Un peu tricky. Les dommages capricieux là. Moins 30, dommage. 37 restants. Ah bah là, on va pas aller loin.
On a le PA. Est-ce qu'on a le crit de mage mêlée? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct? Non plus. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut espérer? Malheureusement, pas grand-chose. Petite pod, petite tacle. Non. On enchaîne. 96 depuis. Allez, le crit direct, on annonce la couleur. On récupère. Bon, ça part plutôt bien. La passa, c'est pas mal. On va avoir 31 à virer. En vrai, ça peut se tenter à la réperfeu. On va être joueur, on va tenter à la réperfeu. Moins 4. Tac, tac. Moins 20. Et le crit. On a 65 depuis. Moins 20. Et là, il nous faut un moins 31, please. Oh, dommage. Ok, on aura test. Alors, la rune chat. Alors, logique, oui. Ok, on a un moins 5. La ravie. Moins 8. On a 37. 1, 2 et 3. On va pas aller très loin, malheureusement. Le PA qui passe. La ravie, hein, c'est le meilleur call, je pense. Non, bon, tant pis, on continue. 96 depuis. Moins 20. On récupère pas. Le tacle y passe. Les repères, moins 18. Ça pique un peu. Moins 10. On a 48. On peut tenter le crit refeu par exemple. Non, 46. On peut tenter un crit dommage. Moins 10. Moins 12 du coup, on a 36. On peut encore tenter un crit dommage. Décidément. Moins 10, on peut encore tenter un crit dommage. Mais. Moins 10. Il nous reste 16, on peut encore tenter un crit dommage. On l'a pas. Et la vita qui passe, il reste 1. La vie qui passe pas. Le PA qui passe pas. 99 depuis. Ouh là là. La rafo va être dure à passer. Et bah même pas. Ça aurait pu faire de la merde. Hein. Alors on a... Repère qui crit évidemment. Le crit... Bah ça va, c'est une belle... Mais on est où là? Ok. Bah tant mieux. Hein. La Pacha du coup. Qui passe. Mais c'est quoi cette tenta de malade qui se passe trop bien là? Le nombre de crits, déjà je passe un over 88 de force première tenta. Mais. Mais j'ai 65 depuis là-dessus. En vrai, je peux tenter un crit dommage maintenant. Non. Et ça passe, magnifique. Donc là j'ai moins. 15. Il me reste 50. Allez, il me faudrait un petit moins 6. Ah, quel dommage. Allez, 5 tenta ravi. Dommage. Il doit rester 1. Hop. Passe PA. 93-3 depuis. Le crit. Qui crit? Le repère. Qui crit, les dommages. Ouais, j'ai failli y croire au full crit, mais c'est une méga tenta ça. On a 83. On va tenter la pavie, qui permettrait d'arrondir un peu, les amis. On a 8 ravis. Je veux rien savoir, on a un 492 là. Et voilà. Du coup, j'ai eu moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai eu moins 60. Il reste 20. Donc là, les pavis ne passent plus.
On a 20 runes vie, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, on a 20 runes vie. J'espère que je me suis pas planté, mais je pense pas en vrai. Ok, pas de ligne rouge, tout va bien. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Si on a le PA, c'est la fin du FM. On n'a pas le PA. 99 depuis. Moins 10. Moins 35. Rien que ça. Moins 4, dommage, hein. 5 ravis. Dommage. Pas de PA. 90 depuis. Allez, la rafou un peu technique à passer là. Moins 30. Repère. Ça récupère pas, dommage. Alors la vita, je verrai comment je la gère à la fin. Il faudrait que je vire 27. Ah, c'est pas ouf. Je vais peut-être y aller comme ça sur une pavie. Moins 3. Et une ravie. On va y aller plutôt sécure parce qu'on n'est pas très large là en puits. On part d'assez bas. Le jet était pas très bon de base. On a moins 18. Le crit, crit qui met plutôt bien. Moins 15. Et moins 4. Bon, on a 0 de puits. C'est parfait. GG à tous. Pas de PA. 92 de puits. Allez, la rafo, nice, moins 10. La vita, il va falloir que j'enlève 30 tout pile. Ça peut valoir le coup de garder le repère feu. On va y aller comme ça du coup. Hop, allez, le crit qui passe, nice, moins 8. Ça se présente plutôt bien pour l'instant. On a moins 5. Oh, elle est belle. Moins 4, 65. Peut tenter un crit d'eau. Non. On a 60 donc. 1, 2. Donc là j'ai eu moins 25. Il me reste 40 tout pile. Là il me faut le moins 30 et que ça passe. Il me faut un succès neutre à tout prix sinon je suis dans la merde. Voilà, parfait. Et là on a 4 avis pour aller chercher les 505. Allez, 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 allez. J'ai 3 attentats pour 505 les amis, c'est maintenant peut-être. Oui! Pardon, j'ai parlé fort dans le micro. C'est mon 67e puits PA. Et c'est ma deuxième tenta exactement sur ce jet. J'avais déjà eu un moins 1 sagesse, 505 de vitalité. Il est tard, s'il vous plaît, je voudrais vraiment, vraiment ce PA. Ça commence à faire beaucoup là. Je préfère pas imaginer le nombre de kamas que j'ai déjà mis en rune. J'ai vraiment besoin de ce PA, ça me ferait du bien que je puisse passer à la suite, s'il vous plaît, le PA. Oh, ça fait mal. Bon, bah next, hein. 85 depuis. Moins 10. Je vais garder la vita à la fin pour voir si je mets une pavie avant. Enfin, si je peux avoir un peu de marge. Moins 10. Moins 10. Ouais, j'ai 5 en rab. Je peux tenter une pavie en vrai. Dommage. Est-ce que j'ai un peu de puits d'avant? C'est possible en vrai. Je suis pas remonté très très loin pour compter. Là, j'ai moins 1. Ouais, non, je pense pas. On va tenter 2 runes vie. 3, 4 et 5. Pas de PA. 96 depuis. Ok, la force qui passe. Le crit. On n'est pas trop mal. Je vais avoir 20 à enlever. On va garder le tacle. Nice, la sagesse. Moins 11. Elle est belle en vrai. 66. Peut tenter un crit de dommage élémentaire.
moins 5, 61. Moins 10. Allez, il me faut le tacle là. Ok, bon, c'est pas exact. C'était pas exactement le plan, mais ça me va. Il me faut. On va y aller sur la fuite du coup. Là, j'ai 51. Le cri de fuite, d'accord, c'est ma vie, y a aucun problème. Moins 10. Et moins 10, parfait. La ravie. Moins 6 du coup. On a 45. Attendez. Pourquoi j'ai 45? Oui, parce que le tacle a crit, je me disais. Est-ce que j'ai pas fait de la merde avec le dommage? Mais non, non, c'est bon. Ok, donc il me reste 4 avis. Il reste 5. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 89 depuis. Il va falloir enlever 16 de Vita. Ça peut se tenter à la sagesse. Le G est assez haut sur le reste là. Moins 5, on n'est pas trop mal. 54. Il reste 34. On va pas aller très loin malheureusement, mais il y a peut-être un monde où. Non. Pas de PA, nickel. 90 depuis. Bon, il va falloir lâcher un petit moins 34 Vita, on verra ça à la fin. On va commencer tout de suite. Double rafo. Oh, ça me régale. Ça me régale complètement. La petite rune chat. Allez, moins 8. C'est très correct. On a un petit moins 26 qui sort là-dessus. Il nous reste 54 depuis. Il faudrait que la Vita passe assez vite. J'ai un moins 30 là. Allez. Le beau jeu. Je pourrais tenter d'avoir une tenta dommage mêlé sur 489, mais on va quand même jouer un peu au jeu. On va venir mettre une petite rune de type esquive PM. Moins 35, parfait. J'aurais bien aimé que ça passe, j'aurais gagné une ravie. Il me reste deux ravies. Ah, ça aurait pu. Et on a le PA. Bon, bah du coup, l'attentat vaut pas grand-chose, mais... Ça aurait pu faire deux qui passent, hein. Pas de crit. Oh, le crit ici. Bon, c'est pas là qu'on veut du crit, mais si on casse le PA maintenant, peut-être. Oh ! Alors, c'est pas exactement le plan, mais... Il faudrait que j'arrive à casser le PA ici. Non. Bon, bah écoutez, on continue en espérant que le PA tombe assez vite pendant que le G est haut et que ça puisse faire quelque chose de sympa. 95 depuis. Il va nous falloir un moins 16. Bon, on verra ça en dernier. On va forcer la PAFO, moins 6. Moins 10. On récupère pas, dommage. Le petit crit. Moins 10. Moins 15. Hop. On a 64 là-dessus. Moins 10. Je peux tenter la rune ça. Il me faudrait vraiment le moins 16, quoi. Et évidemment. Ok, c'est un peu triste. On va mettre la petite rune chat maintenant. Donc on a 54, soit 5 tentas. Ou à la limite, je vais mettre une pavie maintenant. Ça aurait pu. Allez, 5. 51. Et pas de PA. 95 depuis. On va commencer par... J'avais presque envie de garder la Vita pour la fin pour voir si je mets une pavie ou pas. Je pense que je vais faire comme ça, ouais. Je sais pas, je vais mettre ça comme ça. On va y aller double rafo.
Ça va dépendre du puits qui nous restera. Je vais venir mettre une petite pacha, je pense. Qui passe, on récupère, c'est super. Le crit, parfait. Moins 2. Moins 5. Là on est à 63, bah voilà. C'est exactement pour ça que je voulais garder la vita pour la fin, parce que là comme j'ai 3 qui vont me rester sur les bras, je peux tenter une pavie, et là du coup je pourrais soigner manger pour viser un maximum d'over, donc c'est parfait. On a moins 13, oh là là, j'ai tellement bien géré le truc, il me faut moins 8. Bon, on pourra pas avoir du moins 8, on peut mettre de l'arrêt fixe. Et voilà, comme ça on peut viser du 503 à la place de 498, et c'est beaucoup plus beau. Et là il nous reste 5 ravis. Allez, allez. Allez, 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 le tryhard ultime, allez, allez, pas dommage. Pas de PA. Très belle tenta du point de vue des congruences à 99 depuis. On va go tout de suite double rafo. Oh là là, ça me régale. Quand je prends 22 force pour 10 depuis, ça me fait un truc à chaque fois, c'est magnifique. Hop. La petite passa. Oh là là, la tenta est insane. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, ok, je buguais parce que je voyais plus où était passé ma raie feu. Oui, c'est le moins un raie feu qui est passé sur l'échec. D'accord, donc j'ai moins 10. Ça m'a fait buguer. Hop, hop, hop. Moins 20, dommage. Le petit tacle, évidemment, qui crit. 59. Alors je pense vraiment pas qu'on avait un puits en rabbin. Ouais, ça c'est dead. Donc on est à 59. On va tenter de crit une petite rune chat pour essayer de gagner un de puits. Allez les crits. Non. Donc là j'ai moins 2. Je suis à 57. Je peux encore tenter de crit une petite réfixe. Non, donc là j'ai moins 3. Je suis à 54. Je peux encore tenter le crit. Je peux encore tenter le crit. Ok, bon, c'est dead. On a donc 5 ravis. Les amis, ça peut se passer à tout moment. Ouais, j'y ai cru. Donc attendez, on avait moins 2. Et on a eu moins 4. Et moins 8. Non. 48, moins 40. Il reste 8 en principe. Je pense que j'ai 2 pavis. Voilà. La Gapéa qui ne passe pas. 89 depuis là-dessus. Allez, la Pafo, moins 6. On n'est pas trop mal en vrai. Il faudrait que les grosses runes ne soient pas trop capricieuses. Et oui. Bon, bah là, c'est la sauce par contre, 40. Aïe, 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 le coup dur. Moins 9. Il reste 34. Et le jeu ne nous régale pas. 99 depuis. Il va nous falloir du moins 28 de vita. On verra ça à la fin. Hop. Ouh. Froid la tristesse. La giga tristesse. Alors ça fait mal pour le coup. Ah, quel dommage. Bon bah super. 8 depuis. Évidemment. Tant pis. 90 depuis. La petite rafo, nice. Ok. L'attentat se présente plutôt bien en vrai. On a 66 là-dessus. 60, parfait. Elle est très jolie. Hein. Allez. Oh, le crit. On aura du rab. Oh, le double crit. Oh, même pas le triple crit. Et le PA.
C'est dommage, j'ai crit sur les deux où j'avais pas besoin de crit, mais la troisième, j'aurais bien voulu un crit, quoi. La petite rune dommage mêlée. Est-ce qu'on peut avoir le crit là-dessus, les amis? Est-ce qu'on arrive à casser le PA direct? Oh, j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru. Et non, on continue. 97,4 depuis. Le G se présente plutôt bien. Moins 30, ça fait un peu mal. On récupère encore, ça passe, moins 4, bon, c'est pas mal du tout. 63 là-dessus. On peut tenter... Ok, je voulais juste déplacer la rune, bon bah j'ai un moins 10. On peut tenter une sagesse, et 5 ravis, du coup. Pas de PA. 97 depuis. On aura 22 à enlever. On va forcer la force à 70. Bon, pas sûr que c'était très rentable en vrai, mais... Ça a l'air d'être une tenta foireuse, ça, les amis. C'est pas très beau. Tac, on a moins 37. Ouais, on va aller nulle part, là. Bon bah GG à tout ça. Si on pouvait casser le PA tout de suite, ce serait pas mal, mais non. On continue. 91 depuis, bon on aura du moins de sagesse, mais on peut viser le 505 Vita avec la pod, ce sera parfait. Bon, la force passe pas trop bien. J'espère qu'on aura beaucoup de tentas sur la Vita. Le petit crit. Moins 4. Moins 10. Moins 17. Moins 8. Ouais, c'est pas ouf. 34. Moins 10. On va viser le beau jeu, hein. Il reste 24. Je peux aller à 505. Allez, 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 allez. Oh, j'y ai tellement cru. Pas de PA. Bon, le PA qui tombe sur un échec critique patac, ça régale pas trop, ça annonce pas une belle tenta malheureusement. On va voir quand même ce qu'on peut faire avec. On va garder de quoi passer une PA vie peut-être. On va gérer la Vita en dernier, on a moins 20. On va retenter le crit patac, voilà, parce que le G était très bas. Pas trop le choix. La passa, moins 9. Le crit tacle à nouveau. Le crit, alors celui-là il mettrait très bien, il n'était pas très attendu. Le reste c'était obvious évidemment. Une, deux. Trois, quatre. J'ai failli misclick sur le PA, je sais pas si vous avez vu. Ça aurait été un peu triste. Il reste 30. Ok, pas de pavé qui part. Une, deux et trois. Et on a le PA. Est-ce qu'on a un dommage mêlé en crit? Non. Est-ce qu'on casse le PA direct? Non plus. On continue. 97 depuis, la force un peu problématique. Sauf si ça passe direct, mais moins 30. Aïe. Bon, fallait y passer, hein. Il n'y avait pas trop le choix. On va go do crit. Ah oui, d'accord. J'ai presque envie de mettre une pavie, mais... Mon reliquat. Ok. Donut, ce serait bien qu'il crit. Et voilà. 64. On peut pas vie. Et 6 ravis. Ça peut faire un truc sympa, là. Ben voilà. Bon. Oh, attendez, attendez, attendez. Vous avez cru que c'était fini ou quoi? Alors, on a 64. Je pense que j'ai 24. Je vais recompter parce que je suis très fatigué. Là, il est tard. Et j'ai pas envie de foirer cette belle tenta. Donc, je vais prendre 2 minutes pour recompter. Alors on avait ici une rune tacle avec deux sagesses, donc j'ai deux, ensuite j'ai plus un,
Ensuite, j'ai plus 94. Ensuite, j'ai moins 30. Ensuite, j'ai moins 3. Et ensuite, j'ai moins 40. Il reste 24. Et bah, c'est parti. Hein. Je veux voir un 505. Allez, on a un crit, il reste une tentative de plus. Là, faut être sûr d'avoir bien compté, là. Ok. Ok, ok. Bon, les amis, ça commence à faire un peu de temps que je suis sur l'item, quand même. Si je pouvais avoir le PA, ce serait pas mal. Hein, je vous avouerai. Bon, dommage de 48 sagesse, mais... on prendra, hein, on acceptera. Est-ce qu'on a le PA? Évidemment. 90 depuis, pas très très beau là. Hein. Pas très très beau. On va essayer de faire au mieux. On va mettre une pafo, moins 3. Le petit over qui passe. On récupère. Bon, ça commence plutôt bien, mais. Le crit. Ok, bon, en vrai, c'est pas mal. On partait d'un G plutôt mauvais, mais ça se passe bien. Moins 9. Moins 15. Moins 4. Il reste 41 depuis. Soit 4 avis. Pas de PA. 90 depuis. Dommage, on a cassé le PA sur un échec critique. Pas d'eau, ça fait un peu mal. Mais on compense par un crit, pas d'eau. Allez, la sagesse, moins 9. Les raises en sous-G. On a moins 12. Bon, encore une fois, on part d'un mauvais G, mais on fait ce qu'on peut. Je vais go Vita, critique, pas ça. En vrai, on n'est pas trop mal. Moins 10. Elle est belle, hein. 4 avis là-dessus. 1, 2, 3 et 4. Dommage. Est-ce qu'on a le PA? Pas de PA. 92 depuis là-dessus, ok. On va tout de suite venir mettre ça comme ça. Moins 22, il nous reste 7 ravis. Avec un peu de crit, il peut se passer des trucs. Il nous reste 2 tentas, 1 et 2. Et on a le PA. La boulette. La boulette. 99 depuis, l'attentat est magnifique. En termes de congruence, j'entends. On va commencer par une ravie. Qui crit, évidemment. La petite pafo qui passe. Moins 10. Tac. Moins 8. Allez, le crit. Ah, dommage. Oh, ok, on récup. Moins 6. Ok, on a 65, et donc là l'astuce c'est qu'on peut ravi. Et regardez, regardez-moi ça. La petite pod, et oui. Plus 0,1. Moins 7,5. On a 48, on a 4 ravis. J'ai déjà eu 2 tentas sur 505 vitalité et 49 sagesse. Peut-être une troisième tenta. Ah. Bon. Bah on continue. 95 depuis. Pas faux. Rafo. Moins 23. J'avais oublié la pafo sur la précédente, c'est pour ça que ça avait fait nimp. La petite réfixe. On va terminer par la Vita, on fera un truc stylé avec, vous allez voir. On va go passe ça. Ok, elle passe, c'est cool, moins 9. Repère de cri, moins 6. On a 57. Moins 20. On va mettre une petite rune. Fuite, on va en mettre 2. Ouais, ouais, ouais. J'espère que j'aurai pas de moins 11.
Ok, il reste 37. Ça aurait été bien qu'on les récupère, qu'on puisse avoir une ravie de plus. On a 3 tentes à ravie. 1, 2 et 3. Bon. Pas de paire. 97 depuis. Nice, moins 13. Ça part plutôt bien. Je vais tenter la rune vie. Ok. Ouh, ça fait mal ça, moins 30. Moins 8, bah décidément. Ok. Un peu de crit, 46 de... Je peux tenter de la pavie en soi. Deux pavies et quatre avis. Une, deux, trois. 4 et une de plus, bah décidément. Et on a le PA là-dessus. Bon. 97 depuis. Alors la Vita, on va la laisser comme ça pour l'instant. On verra après comment on la récupère. On va go ravi. Non, ra faux, pardon. Moins 20. Moins 7 pour la sagesse. Moins 18. On a 52. En soi, je pense qu'on va mettre 2 ravis et 5 ravis. Pas de PA. 95,4 depuis. Ok, ça commence très bien. Oh, mais attendez, c'est une tentade malade, ça. Je viens de me rendre compte. C'est une tentade dingo. On part directement sur la Vita en fait. On a littéralement 8 ravis. Alors là, je veux voir un 503 qui pop là. Sinon, c'est de l'arnaque. Voilà. Bon. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin avec le reste. Je suis en train de me dire, je suis peut-être un peu. Est-ce que j'aurais pu gratter plus de Vita? De 403, est-ce que j'aurais pu monter à 405? La réponse est certainement oui. Je suis peut-être pas très malin. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais. Du coup, j'aurais pu. Parce que j'avais 6 depuis en rab avec l'INI. Donc j'aurais peut-être pu tenter 2 pavilles et essayer de bricoler pour viser 505. Bon. C'est. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir ce PA, s'il vous plaît? Ça commence à devenir un peu long. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 depuis. Rafo, rafo. Moins 30. On récupère le Dotaire, moins 3. Le crit, moins 10. Je commence à être légèrement blasé, hein, pour être tout à fait honnête. Juste un peu. Moins 5. Moins 6, on a 41. On peut tenter une rune vie. Une ravie, deux ravies, moins 20, T1. Il faudrait un moins 7, on ne l'aura pas malheureusement. On peut mettre ça comme ça. Et il en reste 2. Évidemment, on a le PA. Ah bah là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à tenter, quoi. Ah, je devais avoir un peu de rab. Bon, bah on continue, hein. Super. 93,2 depuis. On va go. Comme ça. Moins 23. Bon, ça passe en succès neutre, c'est pas trop mal. Le crit. Moins 10. Allez, si ravi, je veux rien savoir. Je veux un 490. Ah bah c'est bien. Ah là 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 là. 96 depuis. Bon, la force, pas ouf. Ok, moins 20. C'est à peu près correct. On va y aller sur... Repair.
sur Nini, ça fera le taf. Double pas ça. Allez, c'est maintenant. Moins 17, ça va encore. Le crit qui prend moins 20. 5, 5, 5, 20, 25, 30. Bah, c'est super ça. Et moins 4, bah, il nous reste 5, on est tous ravis. Et on n'a pas le PA, bah, c'est parfait. 91 depuis. Bon, on mettra la vita à la fin, on visera les 503. Même si, vu la tête du G, on va pas aller loin, mais ça, ça c'est tranquille. Moins 10, on va mettre une petite. Petite Pacha. Ok, on récupère le crit qui ne passe pas malheureusement. On a moins 17. Moins 10. Moins 6. Ok, un peu de crit, moins 10. Bon, c'est déjà un peu mieux. Et moins 4, on a 34 depuis. Allez, 1, 2, 3. Pas de PA. 95 depuis. Ok, la force qui passe direct, c'est une belle tenta celle-là, ça peut donner du gros G. Ok, on récupère pas. Le G est plutôt haut sur le reste en vrai, on a moins 10. 75 de puits sur ce G, c'est énorme. Je vais faire une tente à vie qui ne passe pas. J'ai deux tentes à vie. Et 7 ravis. Allez, allez, allez. Oh, c'est vraiment la vie que je mérite, ça. C'est dur des fois. Hein. 95 depuis. Moins 20, c'est correct. Alors pour la Vita, il va falloir que je vire 22. En vrai, je sais ce que je vais faire. On va mettre une passa déjà, moins 9. La repère, moins 6. Un dommage terre qui crit. Une ravie, moins 20. Et là, un petit dommage neutre. Et voilà. Il reste pile 40. C'est très très beau. On a 4 tentes à ravie. Allez, la dernière, please. J'étais sûr que j'avais fail. Et pas de PA. Évidemment, c'était sûr. 98 depuis. On va mettre double tac. Moins 4. Moins 18. Moins 22. La petite Rafo. Moins 20. La Pacha qui passe. Le Docrit qui récupère. Moins 2. Le tac. Moins 4. Dos neutre. Moins 10. Bon, il reste pas énormément de puits. On va go Ravi. Moins 10. Un petit dos terre pour la forme. Alors ça c'est terrible par contre. Aïe 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 ouais. Bah, il aurait fallu que ça passe en neutre quoi. C'est un peu le problème là de ma strat de récupérer les overs, c'est que si c'est chez critique je suis dans la sauce quoi. Tant pis, ça se tentait. 95 depuis. On va mettre la petite Rafo. Moins 10, ok ça passe, c'est cool. Malheureusement on n'a pas le tag pour récupérer, on va mettre de la fuite. Ok, on a récupéré un. Une petite ravie qui ne passe pas. Moins 8, mais un crit. Oh, j'aurais peut-être pu mettre la ravie à la... après peut-être une potentielle pavie. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, c'est trop tard de toute façon. Moins 6. Hop, hop. Et hop, moins 15. Ah, effectivement, il reste 56. J'aurais pu avoir deux tentes à pavie. J'aurais dû les mettre avant de mettre la ravie. Mais moi, j'étais en sous-jet, donc je voulais pas le laisser en sous-jet. Mais ça aurait été mieux dans cet ordre-là quand même. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Le PA, pas de PA. 91 depuis. Allez, là, passe ça qui passe. Oh, le G est magnifique. On joue peut-être pour un full perf 505 Vita, les amis. Hein. C'est peut-être maintenant que ça se passe. Hein. Le repair qui passe également. Oh, l'attentat, elle est énorme. Moins 30 pour les dommages. Ça pique un peu, malheureusement. Le tac, moins 4. Reste 42.
La première ravie qui passe direct. Il reste 32. Alors, j'ai un problème de rune, là. Ok, non, c'est bon. Petite rune innée, ça fera le taf. Ah, le moins 6, dommage. Il reste 3 ravis derrière ça. Une. 2. Et 3. Ah, et 2 runes vie, normalement. Et pas de PA, évidemment. 92 depuis. Ok. Bon, le moral tient bon. Mais je m'amuse pas beaucoup. Voilà, on va le dire comme ça. Moins 28. Ah bah c'est bien ça, je sens qu'il va me rester plein de puits pour faire un over, donc ça va être parfait. Moins 5, bah il me reste 3. Et même là-dessus, on n'a pas le droit d'avoir le PA, c'est quand même terrible. Hein. 91,8 depuis. On va mettre une petite pafo. Moins 9. Une de crit, qui crit. Au niveau de la vita, je vais devoir enlever pas mal de vita. Ah, ça va être embêtant ça. En vrai, il y a un monde où je mets une pod. La pod, elle me fait moins 13. Donc après, j'ai plus qu'un... Vas-y, on va garder un docrit à mettre à la fin. En espérant que ça me troll pas, évidemment, mais... Il y a un monde où on fait du beau jeu. Bon bah, pas de beau jeu. Pas de beau jeu. 95 depuis. Il va falloir virer 18. Bon, on verra ça à la fin. Je pourrais y aller au tacle éventuellement. On va mettre double pafo. Moins 6. Allez, on récupère, ça part plutôt bien. Le crit, ok. Et on récupère encore, donc on gagne du puits. Oh, c'est un beau début de tentasse, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas maintenant, pas maintenant. Ah, c'est coup dur ça. Il me fallait le moins 20. Enfin, il fallait que le tag passe en neutre. C'est triste. Du coup, 49. Oh là là, ça me flingue, ma tenta. Oh, je suis abattu. Il me faudrait un critini, ce serait bien. Oh, je suis abattu. Bon, bah, écoutez, on va go... On va go de vie. Ça partait si bien. Ah, c'est dommage. Elle était vraiment belle sinon. 95 depuis. La rafo qui passe. On récup l'over. Il va falloir que je vire un petit 25. Bon, ça se tente à l'eau de crit ça. Le crit. C'est pas mal. Moins 6. L'attentat est énorme. On est à 79. Ravi. Moins 20. Faut vraiment pas que ça troll. Hein. Il me faut un succès neutre. Nice. Les amis, on a 59 là-dessus. C'est pas impossible que j'ai un peu de rab avant. En vrai, j'ai pas trop compté. Là, j'ai moins 2 sur la ligne là. Et bien, carrément, en fait. J'ai plus 6 là. J'ai plus 4, en fait. J'ai littéralement 63, donc on est parti pour 6 tentas. C'est peut-être maintenant que ça se passe, hein. Et non. On a le PA. Oh, j'ai pas pris mes runes, dommage mêlée. J'ai abattu. Je suis abattu. Je vais aller chercher et on tente le crit dommage mêlée.
Est-ce qu'on a un crit dommage mêlé sur ce joli G? Et non. Est-ce qu'on arrive à casser le PA directement derrière? Non plus. 95 depuis. On va commencer par une pataque qui crit. Et une taque qui crit, ça m'est très très bien. Allez, là, pas ça. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle crit aussi. Oh bah, c'est bien ça. Ça, c'est un moins 36, ça, je reconnais. Bon, on a un problème technique. Bah, super. Hein. Dos neutre, tacle, moins 10. Reste 49. C'est une ravie. Faut que j'enlève 27. Alors, si je double pote, j'ai 26, c'est pas de chance. Oh! Bah, j'ai oublié la force. Bah, c'est marrant ça. Bah, c'est super drôle. Bon, ça se crit de la rafo en vrai, non? Entre nous. En vrai, il y a un monde où je fais du moins 51 avec de la rafo. Eh oui! Et ça me débloque en vrai. Parce que derrière, je peux faire ça. Voilà. Bon, effectivement, on a peut-être plus beaucoup de puits, j'avoue. Mais là, dans l'idée, c'était pas trop mal. Oh bah, ça se passe bien, c'est cool. 97 de puits, l'attentat est très très belle, c'est très prometteur. Nice. Ah, moins 20 sur la force, c'est un peu triste. Petite ruinée. Ok. Allez, faut passer la passa. Nice. Moins 8. On peut avoir du très 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 gros jet là-dessus. Moins 25. 44. Allez, allez. Il y a un monde où ça le fait, hein. Ouais, j'y ai cru. Ok. Tac, tac. Et pas de PA. 99,6 depuis. Alors la force est un peu problématique. Il va falloir rafaud. Oh bah c'est bien. C'est parfait ça. Hop. On va récupérer sur une pacha. Ok, on récup. Repère moins 3. Moins 20 pour les dommages. Moins 8 pour le tacle. Il reste 28. On va pas aller hyper loin malheureusement. Et bah, les deux ravis qui font un peu nimp. Bon bah écoutez, c'est un peu unlucky. On va utiliser le puits jusqu'au bout. Et pas de PA. Le PA qui saute sur la pape prospe, c'est un peu triste. Mais les congruences sont bonnes sur la vitalité. Donc ça c'est cool. Et la force aussi est pas mal. En vrai, je vais spam pas faux. J'aurais pu double rafaud. Ok, c'est pas ouf en vrai là. Je pensais jamais que ça allait me taper autant. Bah, je suis abattu. On a moins 30. Bah, du coup, bah, c'est parfait pour 10 de force. Et moins 40. Bah, super. Allez, là, pas ça. Moins 18. On va avoir un problème de puits, les amis. Je le vois venir. Moins 15. Et moins 4. Bon, en 21, ça le fait. Aïe, aïe, aïe. Et évidemment, le PA qui échec, c'est la base. 91 depuis. Faut qu'on vire 16 de vita. Ça va le faire. Allez, le crit. Et là, pas ça. On est à moins 57. Non, moins 47. Ça pique un peu. Oh là 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 là. La décadence. Moins 25. Moins 6. Bon bah 13. Hein, super. Et pas de PA. 96 depuis. Bon, le jet de base est plutôt bon. Pour une fois qu'on n'a pas gaspillé plein de puits sur les grosses lignes, c'est cool. On va mettre 2 crit, 2 terres, moins 5.
Alors sur la Vita, je vais avoir 29 d'over. Faut que je vire 24, on va garder le 2 crit. Moins 12. Toujours en prenant le risque d'avoir un échec critique, il nous met au fond. Hein, mais... Moins 10. Allez, c'est maintenant. Alors, c'était pas le but, mais bon, ça va aussi à la limite. Ah, j'ai pas les dos qu'il me faut, ça m'énerve. J'ai pas les potes de tout prendre et il manque des runes. Je reviens. Et me revoilà assez vite. Alors, le petit de haut. Hop, hop, hop. Hop. Ok, on récup en plus, incroyable. Un viewer m'a fait remarquer que j'avais un peu plus de puits que ce que j'avais compté. Donc là, j'ai 61-2. C'est pas mal en vrai. Hein. Ça nous monte à 66. On a 6 tentes à ravi. En soi, c'est pas mauvais. Hein. Ah, quel dommage. Du coup, j'ai théoriquement encore 2 pavis. Le calcul était bon. Et pas de PA, évidemment. Bon, là, fallait pas mettre de rafaux. J'ai mis une rafaux, donc c'est ma faute. On va y remettre une, mais bon. Allez, moins 20, on s'en sort pas trop mal. C'est pas très sage. On va go fuite. Ou Vita. En vrai, une petite pavie là. Hop. Comme ça, on pourra aller chercher des petites dingueries après. Petite runini. Moins 1. Repère, moins 5. Ok, moins 10, c'est pas mal. On a 54 là-dessus. Et pas de PA. 93,4 de puits. Le crit. La force. Ah bah oui. Dommage, l'attentat aurait pu être sympa en vrai, mais... 43, on va être short. Je vais go ravi direct. Le misclick. Oh, y a... On va bien sûr. Oh là 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 là. Bon, il reste 10 là-dessus. J'avais pas compté l'attentat parce qu'elle avait l'air dégueulasse, mais on va peut-être en tirer quelque chose. Eh ben non. Non, c'est de la merde comme d'hab, tout va bien, rien à signaler. 90 de puits. On va commencer par la rafo qui passe. Nice. On va récupérer sur du taux crit qui ne passe pas. La petite rune chat. Ok. Un petit crit, moins 10. Alors pour la Vita, je vais avoir 23 à enlever, donc c'est parfait. On va gérer ça à la fin. On va mettre le crit. Ok, moins 10. On se prend du succès neutre, c'est pas mal du tout. Sur des grosses runes comme ça. En vrai, c'est pas dégueu. Il me reste 50 là-dessus. On va mettre une ravie. Et là, il faut que j'enlève. Il me faut une réfixe. Ok, qui passe pas, c'est parfait. Et la pod, magnifique. Magnifique. Il reste tout pile 4 ravies. Allez, il m'en faut 2. Et j'ai un 505 Vita. On y croit. Allez, 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 allez. Allez, j'ai tenté le beau jeu. Évidemment, on a le PA. Est-ce qu'on a la petite rune dommage mêlée qui va passer en crit? Et non. Est-ce qu'on casse le PA direct avec la ravie? Oh, j'y ai cru. Non. Oh, on peut retenter. Toujours pas. On continue. 95 de puits. Elle est plutôt belle en vrai. La petite rafo, deux fois. Oula, on va pas se tromper de rune. Tac. Aïe. Ok, ça bouffe beaucoup de puits. J'ai combien là? J'ai moins 50. Ouais, on va pas aller hyper loin malheureusement, je pense. Moins 10. Là, je vais. 35. Je peux même pas mettre une pod ou un truc comme ça.
Bon, on va go ravi. Moins 10. Faut que je vire. Dommage. Je peux pas tellement faire mieux au niveau des congruences. On peut mettre deux ravis. Et non, c'est mort. Tech. Et pas de PA. 94 depuis. Alors, il m'est arrivé un truc de fou, c'est que quand j'ai mis le tacle là, j'en ai mis ce clic 1, mais j'ai réagi très très bien, puisque j'avais déjà cliqué en fait sur mon misclic, mais j'ai fait un glisser-déposer de la rune, et je l'ai déposé en dehors, ce qui fait que ça n'a pas fait un tacle de trop. Donc en fait, je suis safe. Mais j'ai vraiment réagi en mode sauvetage ultime. Bon, en vrai, l'attentat, je suis en train de voir, elle est pas mal du tout. On a une rafo à claquer, un dos neutre. Oh non, mais non! Ah, je perds une ra là-dessus, c'est dommage. Bon, bah on a 69. J'ai pas... parce que sinon, après, ça part en over direct. Ça aurait pu faire un 7 ravi. C'est possible que j'ai du puits résiduel, je suis pas remonté très très haut. Donc on va le faire ensemble maintenant. J'étais parti de l'idée que j'avais 0 puits résiduel sur le PA, mais là j'ai moins 1, plus 1, 0, là j'ai moins 1, là j'ai moins 1... Voilà, c'est là que ça m'intéresse en fait. Oh, j'ai beaucoup de rab là. Ouais. Là j'ai 9, j'ai 4. On va repartir d'ici. Donc là j'ai 4. Là j'ai 3 du coup. Là j'ai 2. Là j'ai 3. Là j'ai 2, j'ai plus 2. Et oui, 71, donc j'ai mes 7 ravis. On a eu un crit. Abusé que la première ait mis aussi longtemps à passer, je voyais venir une dinguerie. On a le PA. Est-ce qu'on a un petit crit dommage mêlé? Toujours pas, je l'aurai un jour. Hein. Est-ce qu'on recasse le PA? Non. On va y aller comme ça. On continue. 97 depuis. L'attentat est pas ouf. On va go. La rafo, moins 10. La petite runcha. On va mettre un dos neutre. Un tacle. La passa maintenant. Qui crit. Ok, c'est pas mal en vrai, on s'en sort bien. Je vais avoir 31 récup sur la vita. Ça peut se faire au dos neutre en vrai. Ou au tacle. Peut-être plus safe au tacle en vrai. Je vais y aller comme ça. Moins 20. Moins 20. Et là, le tacle. Hop. Et là, du coup, il me faut un moins 11. Donc, il faut juste avoir un moins 6, un moins 5. Et on est bien. Et voilà. Et il reste 44, du coup. Bah, une. Allez, j'en ai 3, là. Ah, oh, dommage. Bon, la petite pavie. Et pas de PA. 92 depuis. Alors, on va pouvoir récupérer un dommage sur l'over vita. Oh, la force est affreuse. Pourquoi je l'ai monté aussi haute? Alors, ça, c'est une erreur, ça. C'est parce que j'étais en train de raconter n'importe quoi avec le chat et ça m'a évidemment fait faire des bêtises. Alors, tac. Ok, on va y aller sur le crit maintenant. Oh là 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 là. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas ce qu'on voulait, ça. Bon, j'ai eu plus de puits, hein, c'est mort. Tant pis! 98 depuis. On a des congruences qui vont me permettre d'aller chercher les 490 sans tryhard d'un jet trop trop dur. C'est assez rare, hein, je dois dire quand même. On va commencer par la rafo, en espérant que ça me tape pas trop. On a moins 20. On va récupérer ça avec une petite réfixe. Ok, ça repasse pas. Un petit crit sur le crit? Non, on n'a pas cette chance. Je vais mettre la passa maintenant. On a moins 19. On va pas être giga large en plus en vrai. Hein. Ok, ça, ça me met très très bien. Ça également, mais décidément. Ouh là là, on a beaucoup de réussite là. On va peut-être pouvoir aller chercher le 490, ça me ferait plaisir. Moins 8, 41. Ok, on a 4 avis, il m'en faut 2. 1, 2, 3 et 4. Et pas de PA, on adore, hein, c'est un régal. 94 depuis. Allez, la force. Ok, moins 20. Le crit, nice. Les deux passas, ce serait bien. Moins 18, c'est correct.
Pour la vita, il va me falloir un moins 16. Bon, moi, je vais gérer ça à la fin. On va mettre un tacle, le repair, le dommage, moins 5. Le crit, ok, on a 47. Moins 10. Ah, en vrai, si toutes les unis passent et que j'ai un moins 6 et 2 moins 5, on aura encore 4 tentatives à vie. Ok, bon, bah, du coup on a 48. Est-ce que j'avais un peu plus résiduel d'avant? Je pense pas en vrai. Non, c'est peu probable. Donc on va dire qu'on a 40. Enfin 38 du coup, ouais. 38. Je peux tenter bah, 3 ravis. Pas grand chose de plus à faire. Ok, j'ai 2 tentats pour aller chercher le 505. En plus, c'est du full perf là sur les lignes qui m'intéressent. Ce serait magnifique. Est-ce qu'on peut avoir la petite ravie qui passe? Oh là là, yes! Alors, les amis, on est le 11 janvier. Je suis sur cette amulette depuis fin novembre. C'est pas une blague, hein. Là, c'est la première fois que j'ai un 505 Vita avec 50 sagesse. C'est la toute première fois en 3 mois. S'il vous plaît. Est-ce que je peux capter toutes les bonnes ondes que m'ont souhaité les gens qui m'ont dit bonne année 2022 pour les mettre sur ce PA? Là, vraiment, ça me ferait vraiment du bien que ça passe, je vous avouerai, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis dessus et ça commence à être usant et surtout à bloquer tous mes projets. Levez tous les mains dans le chat, donnez-moi votre force. Ça peut se passer maintenant. N'aura pas cette chance cette fois-ci. Ah, je suis abattu, c'était vraiment. Là, c'est. Ouais. C'est la première fois en à peu près 120 plus PA que j'ai le 505 Vita avec 50 de sagesse. Dommage. 96 depuis. On va commencer. Double rafaud. Ok, on a pas mal de réussites pour l'instant. Ça fait plaisir, ça commence bien. On va mettre la passa. Moins 35, c'est un peu dommage. Pas 35, pardon, 36. L'attentat aurait pu être belle, on aurait pu viser un 480, 10, mais là du coup ça paraît compliqué. Beaucoup de pluie qui part dans pas grand chose, 24 restants. La pavie, double ravi, LPA, évidemment. Bon bah alors là c'est. Rien à faire, on continue. 92,8. Bon il faut commencer par la force. La rave va être assez dure à passer, mais si elle passe, on peut avoir une belle tenta. Ok, moins 20, c'est correct. On va mettre un petit dotaire. Je vais mettre une pavie. Le tac qui crit, on a 72,8. C'est franchement pas mal. On va y aller très très simple. Hein. Deux runes vie. Oh! Petit crit, ok. 7 ravis. Bah oui, évidemment. Donc j'en ai eu 3 qui sont passés. Et j'ai eu 2, donc j'ai moins 32. Il reste 40. On a 13, 13 tentes à pavis. Ça aurait été pas mal hein, que ça monte à 501 comme ça. Alors, tac. On a une tenta vie qui reste. LPA. On n'a pas le PA. 98 depuis. Allez, on va forcer la pas faux. Ok, nice. Moins 6. Je vais mettre la passa maintenant. Faudrait qu'elle troll pas. Ah, oh, terrible, terrible, terrible! Oh, l'attentat était pas mal en vrai, ça pouvait faire un truc stylé. Bon, bah là, on s'est fait voler l'attentat là, très clairement.
Tant pis, on l'a fait quand même, mais j'attends plus grand-chose. Voilà, puis. Évidemment, il y a le PA là-dessus, évidemment, on crit, non mais y a aucun, ça n'a aucun sens. Dommage, on s'est vraiment fait, on s'est fait bolos là. Peut-être si le PA tombe maintenant. Maintenant. Non. Tant pis, on continue. 98 de puits, avec un petit doute sur le puits, j'ai compté très rapidement, on verra comment ça se passe. Allez, la RAFO. Nice, moins 10. L'attentat peut être assez prometteuse. On récupère le puits. On a moins 3. Moins 10. Moins 10. Le tacle, moins 4. Et on a, bon, on va dire 6 du coup. Ah, je dis ça, mais... J'ai envie de recompter. On va recompter, les amis. Écoutez, voilà, c'est pas souvent que je le fais, mais là, j'ai envie. Ça peut être une très belle tenta. Pour voir si on peut tenter des petits plus 5. Alors, on va recompter à partir de où? On va partir du principe qu'on est à 0 ici. Ça ressemble à du 0, ça. Donc, là, on a 1. Là, on a plus 1. Là, on a plus 1. Là, on a plus 1. Là, on a moins 2. Moins 3. Là, on a plus 0,2. Là, on a plus 1. Alors, vous voyez plus. J'en suis ici. Hein. Là, on a plus 3. Là, on a moins 1. S'il vous plaît, Ankama, autorisez-nous à mettre des petits bots qui comptent le puits. Juste, tous les forges de mages qui sont pas en stream ont ça. S'il vous plaît, autorisez-nous, parce que c'est chiant en fait. Mais bon, bref, ça c'est la petite aparté. Donc là, on a plus 1. Hop, le soleil a vraiment zéro skill hein, dans ce que je fais, c'est juste de la pure perte de temps, c'est assez terrible. On a moins 2. Là, on a plus 1. Pardon. Oui, plus 1. Et du coup, là, j'ai plus 95. Ah, c'est bien ce qui me semblait, donc j'ai du rab, ouais. J'ai bien fait de recompter. Ensuite, on a du coup moins 10, moins 3, moins 10, moins 20, moins 24. Il me reste 62. Je savais que j'avais une tenta vie en plus. Donc c'est parti, on a deux tentas vie et 6 ravis. Et c'est là qu'à la fin, ça me met une ligne rouge, la honte ultime, tu sais. Mais non, tranquille. Bien se passer, regardez. Oui. Bon. 96 depuis. Alors, et on va avoir 10 de vita à virer. Je vais rafou tout de suite. Ok, ça passe, c'est cool. J'ai presque envie de mettre une rune sagesse, mais. J'ai pas une pas quelque chose. Pas inné, ce sera bien. Ok, on récupère pas dommage. Moins 5. Moins 12. Moins 20. Dommage, on perd beaucoup là-dessus. Le tacle, moins 4. On a 45. Moins 10. Allez, on va viser le 505. Il reste 35 de puits. Allez, on a deux tentas, une et deux. Allez, dommage. Il reste 5 du coup. On peut faire une pavie, deux runes vie et le PA. Et pas de PA. Évidemment, on connaît. Hein. Tentative de crit ravi sur la belle amulette de mon ami Freebox. Est-ce qu'on a un crit? Pas de crit. Bon. J'ai un abonné qui m'a passé cette amulette. Et qui me l'a vendu à un prix très sympa. Vous retrouverez la vente dans ma prochaine vidéo d'achat d'items.
Et on va donc s'arrêter là-dessus, les amis. Ça correspond à ce que je voulais. Un jet parfait over 94 vitalité avec les deux lignes négligées que je ne voulais pas. C'est de plus en plus fréquent que les abonnés se mettent à tryhard les items que je fais en stream quand j'ai des sessions comme ça qui s'allongent sur le temps et que quand c'est des choses assez compliquées à sortir, eh bien, statistiquement, il y a plus de chances que ce soit finalement un abonné qui le passe et qui me le vende que ce ne soit moi qui le réalise. Ça m'attriste un peu parce que c'est un peu dommage, ça me fait pas une belle fin de vidéo où j'ai le plaisir de passer mon amulette ou mon item. Mais c'est quand même pas plus mal, ça m'aide bien parce que le plus important c'est que j'avance sur mes stuffs. Franchement, sur cette session FM amulette cœur saignant, on pourra pas dire que j'ai démérité. Hein. Je suis allé chercher énormément de tentatives sur des très très gros jets soignés. J'ai encore pas mal de belles tentas à 505 vitalité qui me restent en travers de la gorge. Mais c'est comme ça, en tout cas ce qui est important c'est que j'ai mon item. C'est un peu triste parce que en fin 2021, j'avais fait une liste, on va dire, des items dont j'avais besoin pour PVP en Coliseum, et j'avais commencé par le plus simple. C'était censé être le plus simple, cette amulette Overvita, c'est de l'Overvita sur PuPa. En principe, c'est censé être vraiment facile à faire. Et bah là, j'y suis depuis novembre. Donc ça fait plus de 3 mois de Forge Magie pour l'item qui était censé être le plus simple de ceux que j'avais à faire. Ça m'amène à remettre en question on va dire, certains de mes choix et de mon organisation autour de la Forge Magie et du contenu qui est associé. C'est pourquoi je pense que le format des vidéos Forge Magie va légèrement évoluer à l'avenir. J'ai fait une vidéo Facecam dans laquelle j'en parle. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.